nous sommes mercredi, le 3 avril, je crois. Oui, le 3 avril. Oui, c'est ça, merci Paul. Pas maquillée, pas coiffée, tout va bien. Je viens de me lever. J'ai réveillé Marceau et Adam qui dormaient encore et Elsa s'est levée en même temps que moi. pardon. Autant enroué. Ce matin, nous allons nous dépêcher de prendre notre petit-déj parce que du coup, j'ai voulu laisser les enfants dormir plus longtemps, mais au final, ça tombait un petit peu à la bourre parce que ils ont dormi plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Marceau? T'as envie de me faire un câlin? Mais Léo, il t'a fait un câlin, d'accord. C'est bien? Oui. Bon, tout ça pour ça. Du coup là on se dépêche de prendre notre petit déj, ensuite on emmène Elsa à la musique, on va passer vite fait voir ma copine Périne et je vais voir si elle pourrait me garder les enfants pendant le temps que j'ai rendez-vous chez le médecin pour Marceau. Comment il marche ce truc? Du coup nous avons récupéré un micro-ondes, n'est-ce pas? S'il y a comme devant on pourra pas le voir. On le voit? Ouais. Voilà, nous avons récupéré un micro-ondes. C'est quoi qui clignote rouge? Ah non, c'est le truc de... Bref, donc nous avons un micro-ondes, nous allons pouvoir boire des chocolats chauds, puisque pendant que nous n'avions pas de micro-ondes, je faisais les chocolats chauds à la casserole, mais la casserole, ce n'est pas bon. Ça a un mauvais goût. C'est comme qui l'a dit. Alors que c'est totalement la même chose, mais bref. Et puis après, nous partons à la musique, emmener Elsa. Nous allons aller vite fait acheter du pain et des rillettes pour pouvoir nous faire des sandwichs ce midi, parce qu'Elsa et moi, on repart direct chez l'ophtalmo. Et ensuite, on enchaîne avec, avec l'opticien. Et après... C'est quoi un opticien? Mais c'est pour choisir tes lunettes. Et d'ailleurs, il faut que tu me donnes ton boîtier de lunettes pour l'emmener. Mais je sais pas, je te l'avais déjà donné. Attends, regarde. Il est peut-être encore dans ça, il faut que je regarde. Et puis après, quand on rentre sur la tour, elle va chez sa copine pour préparer un exposé. Donc, je sais pas trop comment ça va se gérer, on verra. Eh bien, nous allons prendre notre petit déj, nous préparer, et puis je vous reprends plus tard quand j'aurai un petit peu de temps. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 13h10. Nous sommes dans la voiture avec Elsa, nous sommes en train de manger en fait, puisque c'est la course aujourd'hui. Hein. Ce matin, on l'a emmené à la musique, à 11h30, j'avais rendez-vous chez le médecin pour Marceau qui a une bronchite, du coup antibio. Elsa a égaré mes lunettes de soleil, donc en fait, elle est en train de les chercher, puisque en fait, l'ophtalmo nous avait demandé de prévoir des lunettes de soleil pour elle, donc j'avais emmené les miennes. Je vois ma séparation de cheveux là, parce qu'on voit pas le spray que j'ai mis. Du coup, je lui avais prêté les miennes et là, bizarrement, elle ne les retrouve plus. Donc, voilà, problème réglé. Du coup, ça va être compliqué. Parce que là, en fait, en gros, ils vont lui mettre des gouttes et tout ça. Donc, du coup, il nous avait demandé de prévoir des lunettes de soleil pour elle. Donc, si elle les a perdues, je sais pas comment on va faire. Donc là, on va manger notre dessert. J'ai même pas fini mon repas, moi. Bah, dépêche-toi. Et puis, dès qu'on a fini, on file dans l'hôpital pour aller voir l'ophtalmo. Et puis, j'ai vu mon médecin ce matin. Du coup, je lui ai parlé un petit peu du cas d'Adam. Et en fait, il s'avère que il me conseille d'aller voir un psy libéral. Il me dit qu'effectivement, son comportement est quand même très excessif. Pour vous situer un peu, ce matin, quand je lui ai dit que nous allions... chez mon amie Périne, le temps du cours de musique d'Elsa, il m'a répondu « Non, moi c'est mort, je veux pas y aller. » Je lui dis « Bah, si tu veux pas venir, c'est pas grave, t'attendras dans la voiture, ça me dérange pas. » Et là, il me répond « Ah ouais, ben dans ces cas-là, je te gifle. » Un petit garçon de 6 ans qui parle à sa maman. Normal. Donc, c'est un problème d'éducation, évidemment. Donc mon médecin m'a dit que clairement il fallait pas laisser passer ça et que lui il pense qu'il a un caractère très très affirmé. Maintenant il m'a dit que ça avait certainement été causé par quelque chose, mais maintenant il faut trouver quoi. Donc voilà, donc affaire à suivre, hein. Je vais prendre rendez-vous, mais pour être honnête, financièrement je sais pas comment je vais faire. Parce qu'à 50 euros la consultation, je ne vais pas pouvoir gérer deux consultations par mois, ça ne va pas être possible. Donc, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Surtout que je sais déjà d'avance que la première consultation, concrètement, on ne va pas travailler. Ça va être pour faire connaissance, donc une consultation pour rien.
Donc, ouais, je sais pas trop. Mais vu que le CMP ne veut pas me recevoir, on va pas avoir d'autres options. Bon, sur ce, j'ai pas beaucoup de temps, donc je m'attarde pas. Puis là, on en a pour un moment dans l'hôpital, puisque du coup, ils vont lui faire, lui mettre des gouttes, lui faire un fond d'œil, etc. Donc, on a au moins pour une heure. Et puis après, on ira chez l'opticien et ensuite, je rentrerai pour qu'Eric puisse retourner se coucher un petit peu avant d'aller travailler. Parce que du coup, là, il a été obligé de se lever à midi pour enfin, midi et demi pour pouvoir récupérer les gars pour que moi, je parte avec Elsa. Donc voilà. Autrement, hier soir, en surfant sur Internet, j'ai trouvé une maison à louer. Alors, c'est une maison, c'est un logement social. Donc, je vais essayer d'appeler là cet après-midi pendant qu'on attendra chez l'ophtalmo. Pour avoir un peu plus d'infos, savoir si elle est toujours dispo, parce que concrètement c'est à 5 minutes de là où j'habite en ce moment, donc clairement si je pouvais l'avoir, ça veut dire que les enfants pourraient continuer leur scolarité jusqu'à la fin de l'année, là ils pourraient finir dans la même école, donc ce serait quand même top, puisque à 5 minutes je pense quand même pouvoir faire l'aller-retour le matin et le soir. Après ils seraient obligés de manger à la cantine, mais en tout cas je pourrais faire l'aller-retour le matin et le soir pour les emmener et aller les chercher, donc j'avoue que ce serait pas mal. Donc je vous tiendrai au courant, j'espère juste qu'elle est dispo, et puis même après pour le passage en commission il faudrait que voilà, que ça nous soit attribué, et ça c'est moins sûr. Donc affaire à suivre, je vous raconterai. Bon, je vais manger ma petite part de flan, Elsa va manger ses fraises, parce que mademoiselle a fait le caprice d'avoir des fraises en dessert. Et puis après, direction l'ophtalmo. Je vous reprends, il est 17h43. Franchement, j'ai pas vu la journée passer. Alors finalement, l'ophtalmo, du coup, Elsa, elle a 10 sur 10 à ses yeux. Donc je ne sais pas pourquoi la première fois, ils lui ont trouvé un gros souci. Alors ne regardez pas derrière moi parce que la maison, c'est Tchernobyl. Mais alors quand je dis Tchernobyl, je crois qu'elle n'a jamais été dans cet état. En fait, j'ai pas du tout fait de rangement aujourd'hui dans le salon. Pour la simple et bonne raison que je suis allée m'acheter un meuble bas pour mettre le four, en fait. Du coup, j'ai mis ma plaque de cuisson sur le dessus. Et pour ça, j'ai déménagé toute ma cuisine. Donc, j'ai dû vider tous mes meubles pour tout re-ranger. Là, je viens tout juste de terminer de ranger dans les meubles. Mais j'ai encore... les enfants sont en train de... Enfin, les garçons, parce qu'ils sont punis. Donc, ils vident le lave-vaisselle. Une fois qu'ils auront fini, moi, je vais le re-remplir, du coup. Et puis, je pourrai enfin nettoyer... nettoyer la cuisine. Par contre, voilà, le salon, je ferai ça une fois qu'ils seront au lit ce soir, parce qu'alors il y a une taille, c'est terrible. Ça me déprime rien que de regarder. J'ai des miettes plein le canapé, parce que moi je n'autorise pas à manger dans le salon, sauf qu'ils ont été une bonne partie de l'après-midi avec Eric et qu'Eric n'a rien surveillé. Donc voilà, il y a des galettes de riz éclatées dans le canapé, enfin bref, je peux même vous montrer. Hein. Voilà. Normal quoi. Donc ce soir, je vais passer ma soirée en regardant Grey's Anatomy, mais je vais quand même passer ma soirée à ranger et à nettoyer surtout, parce que du coup là c'est bien crade. Donc voilà, j'ai commencé à faire les cartons d'Eric, du coup j'ai fait de la place dans ma cuisine parce que concrètement ça me fait beaucoup de choses à... comment dire, à trier et à partager. Donc moi il y a pas mal de choses qui sortent de ma cuisine, donc du coup ça me fait de la place, donc je suis très contente. Je vous montrerai du coup dans le vlog de demain, je vous montrerai ce que ça donne la cuisine, parce que là c'est vraiment encore en bazar et donc on se rend pas trop compte. J'ai même retiré la porte de ma cuisine en fait, du coup il faut que je l'emmène dans le garage, parce que là clairement elle est dans la cuisine, dans le passage, donc il faut que je l'emmène dans le garage pour que ça libère un petit peu. Ça change, je trouve, du coup, la cuisine comme ça. C'est pas exactement comme ça que j'aurais voulu l'avoir, mais ça change. Donc, j'ai appelé aussi pour la maison. Et bon, ça sent pas très bon. A priori, il y a plusieurs dossiers dessus. Et moi, je présente pas le profil idéal, parce que il y a quelques années, on a fait un dossier de surendettement. Alors, qui a été soldé par un rétablissement personnel. Ça veut dire qu'on a obtenu un effacement de nos dettes. Le
Le souci, c'est que quand on fait un dossier de surendettement, on est obligatoirement fiché le temps du remboursement. Mais comme nous, nous n'avons pas eu de remboursement, nous sommes automatiquement fichés pour 5 ans. Donc, il nous reste encore 2 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on a fait ça. Et il nous reste encore 2 ans à être fichés. Et apparemment, pour Sèvres-et-Loire Habitat, et ben, ça pose problème. Alors que jusqu'ici, ça ne nous a jamais contraints pour un logement. Et elle, la dame, m'a dit « Oui, par contre, il y a quand même cette histoire de surendettement. » Je dis « Enfin, ça fait 3 ans. » Elle me dit « Oui, mais bon, nous, on ne connaît pas votre situation au jour d'aujourd'hui. » Donc, je pense que je vais rappeler demain, parce que la personne qui était en charge du dossier de cette maison n'était pas là. J'ai eu une de ses collègues en ligne. Et en fait, je pense que je vais rappeler demain pour lui dire que s'il y a besoin, je peux tout à fait demander à mon ancien propriétaire de fournir une attestation prouvant que pendant un an et demi que j'ai habité chez lui, je n'ai jamais eu aucun incident de paiement au titre du loyer. Donc, et pourtant, j'étais seule aussi à ce moment-là, puisque c'était pendant notre dernière séparation avec Eric. Donc, j'espère que ça ne va pas bloquer. Et j'aimerais vraiment beaucoup, parce qu'en plus, on est allé voir avec Elsa où c'était. Et clairement, c'est à 5 minutes, mais vraiment porte à porte, 5 minutes de leur école où ils vont aujourd'hui. Donc, ça serait vraiment le top qu'ils puissent finir leur année scolaire ici sans trop de contraintes, quoi. Donc, bon, à voir. Mais ouais, j'y crois pas trop. Je suis un peu dégoûtée, mais j'y crois pas trop. Bon, du coup, je vais clôturer ce vlog parce que vraiment là, il faut que je le monte. Il est 18h. Il faut vraiment que je m'en occupe maintenant pour pouvoir le mettre en ligne après. Je suis désolée. Hein, la qualité du vlog aujourd'hui n'était pas tip-top, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous remercie de nous être fidèles. Je souhaite de nous être fidèles et non pas finelles. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que j'avoue qu'en 3 jours là, ça monte petit à petit. Ça monte pas hyper vite, mais ça monte. Même un abonné, c'est quand même important. Donc bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que la qualité de cette chaîne vous plaît. C'est important. Et voilà, je vais tenter de faire de mieux en mieux en ce qui concerne la qualité des vlogs et le contenu. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain au même endroit mais dans un meilleur état.